très heureuse d'être ici ce matin parce que pour moi, ce projet-là, il embrasse, je dirais, à la fois la richesse de notre culture et l'importance de notre histoire, du partage de ce qu'on a en commun. Il y a tellement de beaux éléments qui sont aussi porteurs de valeurs communes. Et je veux vous féliciter d'avoir eu cette audace-là, donc de présenter le projet. Je suis très heureuse que le conseil ait dit oui, que la MRC soit partenaire, qu'il y ait plusieurs partenaires, parce que je pense que ça va au cœur de qui nous sommes et ça va au cœur de ce que la culture et la tradition devraient porter de plus beau. Et moi, en ce moment, je suis porte-parole en matière de famille et je trouve que c'est une manière aussi formidable de réunir des familles, de réunir des communautés, de réunir des collectivités autour de cette tradition de la chanson et de se rendre compte à quel point il y a des petits bijoux là-dedans et à quel point aussi, comme famille, comme communauté, on est capable ensemble de faire quelque chose pour que ça perdure, pour que ça vive, pour que ça se transforme. Puis que ça soit vraiment à l'image de qui on est aussi comme famille puis comme communauté. Donc moi, mon souhait, puis je suis pas vraiment inquiète à voir les gens qui sont impliqués dans le projet, c'est que vraiment les gens embarquent et qu'ils s'approprient famille par famille ces traditions-là en y ajoutant aussi leur couleur, ce qui fait en sorte qu'on va vraiment être dans un projet de médiation et de partage. Donc je trouve l'idée emballante. Je la trouve particulièrement emballante dans un moment où on parle tellement de l'individualisme, de l'individu, de la perte de repères et de valeurs. Pour moi, vous êtes l'antidote, je dirais, à ce cynisme-là et vous montrer à quel point on est encore capable de partir de la base pour faire des projets qui sont à la fois porteurs de nos traditions, de qui on est et à la fois, je dirais, rassembleurs. Alors, je veux vous féliciter, je veux vous remercier. Je pense que notre patrimoine, j'utilise encore le mot patrimoine, là, je me permets cette folie-là. Donc, je pense que notre patrimoine, notre histoire, nos traditions, notre fierté, c'est essentiel de les mettre à l'avant-plan. Et merci beaucoup de le faire de la plus belle des façons, de la plus conviviale des façons. Donc, je vous souhaite énormément de succès. Je ne suis pas inquiète. Et puis, je vais être une diffuseur très heureuse de la bonne nouvelle de votre projet. Merci.